Salut tout le monde, premier volet de cette série de tutoriels Boeing 777 Bah écoutez, euh, moi-même je suis impatient de, de, de commencer cette, cette série Ça faisait un an que je n'avais pas touché FSX Et là de m'y remettre, j'ai un peu plus de temps, ma fille a grandi euh, Voilà, la saison musicale est terminée quasiment pour les festivals électro Donc euh, j'ai un peu plus de temps euh, À gauche Facebook, euh, la page, à droite Youtube N'hésitez euh, pas à poser vos questions. Facebook, euh, je commence à être un peu plus actif dessus au niveau de cette page là parce que j'ai pas que celle là à cause de la musique. Euh, mais bon, j'essaye de publier euh, plus de choses, euh, dont euh, le cockpit euh, à laquelle je vais rentrer beaucoup plus en détail comparé au 737 NGX. Euh, J'étais pas rentré euh, dans les bons termes techniques au niveau des boutons et, euh, et des, des écrans, euh, le terme des écrans et, et voilà. Euh, on va parler euh, tout de suite au niveau euh, au niveau hardware et software. Euh, Je n'ai pas changé beaucoup de choses sur ma machine. Je sais que sur YouTube, beaucoup de gens vont me poser des questions sur ma, ma config. Et, et, et de la fluidité de, ma, de, de mon FSX. Euh, je dirais que c'est par mon expérience d'une vingtaine d'années sur Flash Simulator, en grande partie, je pense, et, euh, et de ma tour, bien sûr. Euh, J'ai changé quelques, déta quelques, quelques détails, euh, notamment le SSD. Euh, gamme au-dessus, Samsung, je suis resté et ma carte graphique qui est passée en 970. Mais euh, FSX demande beaucoup plus de ressources processeurs que graphique. Euh, même si ça en demande aussi graphiquement. Mais quand même majoritairement processeur. Euh, donc voilà, j'ai pas beaucoup euh, j'ai quasiment rien changé sur ma config. Euh, oui, donc, vous euh, voyez en bas le son, euh, beaucoup se sont plaints sur mes anciens, euh, mes, mes tutoriaux du 737 de la qualité sonore. Euh, avec le temps cette année et grâce à la musique, euh, j'ai pu investir dans beaucoup de matériel euh, musical, vu que je produis de la musique. Euh, donc là, je, voilà, genre, pour les connaisseurs, s'ils si connaissent euh, Audacity, euh, c'est en haut à droite, c'est écrit en haut à droite, donc je suis en, en entrée en ligne, hein, pionnier des JM2000, euh, donc ma table de mixage. Et donc du coup euh, avec du matériel plus de la compression on obtient une bonne qualité sonore donc euh, voilà il n'y aura plus de plaintes au niveau sonore c'est le petit détail que je voulais vous montrer euh, on va aller dans les panneaux de configuration euh, Oui j'ai changé mon écran donc ça peut être un peu petit je sais pas comment ça va rendre, je sais pas encore combien euh, je... comment je vais mettre les vidéos euh, si je vais les laisser en 1080 ou en 4K parce que je suis en 4K actuellement euh, par expérience, la semaine dernière, une vidéo en 4K, euh, quand j'ai commencé à la mettre, il m'a marqué qu'il restait 2000 minutes avant la fin de l'upload sur YouTube. Donc, vu la taille des tutos, j'ai pas envie de passer un mois à mettre ma musique, ma musique, ma vidéo sur, euh, sur YouTube. Donc, je pense que je vais rester sur le 1080 et réadapter la taille de la vidéo. Et de toute façon, bon, le 4K n'est pas encore trop développé pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire Je voulais aller dans le système euh, gestionnaire de périphériques. Voilà, vous montrer. Bon, j'ai deux petits bugs, mais ça c'est euh, normal. C'est le compresseur que j'ai à côté et le un limiteur. Bref. Euh, dans les périphériques système. Voilà, processeur, c'est le même qu'avant. C'est euh, un 4770K à 350 mais j'ai une grosse tour j'ai un kit un kit water cooling donc j'ai pas de vous voyez mon disque là je le fais tourner à 38 il est à 3800 euh, c'est plutôt c'est plutôt correct et je peux le monter à 4,4 4 ,4. Euh, excusez moi je vous parle des mégahertz euh, il est déjà à 4,4 euh, attendez alors attendez attendez je sais plus où on voit ça CPU, Frequency. Moi, dans les. Non, je crois que sur GPU-Z, il le montre aussi comme ça. CPU, mais je suis là. Ah, on l'a vu afficher juste avant là. Tiens, c'est bizarre qu'il s'affiche comme ça à 800 MHz. Hop, je reviens là. Non, comment j'ai fait pour le réafficher Écoutez là je suis sur un dilemme non bon je comprends pas l'affichage des fois il affiche 4, il affiche, normalement il affiche euh, 4400 euh, bref je suis à plus 18 enfin CPU performance je suis à plus 18% donc de 3,50 euh, voilà ça fait à peu près 4,4, 3,300 et des boîtes euh, J'ai un peu bugué sur ce problème, euh, c'est pas grave. Euh, oui, pendant qu'on est dans le gestionnaire périphérique, je vais vous parler d'un bug que personne connaît sur Flash Simulator, ou très peu de personnes, et euh, quasiment, quasiment pas d'infos sur le net. Euh, informaticien de métier, donc je, je sais que euh, les ports USB ne peuvent s'arrêter de s'alimenter même si votre PC n'est pas en veille. Or ça cause problème sur certains vols Flash Simulator. Si vous ne touchez pas votre joystick pendant un certain temps, la mise en veille, enfin la, la remise en fonction après la mise en veille, quand vous retouchez votre joystick pour l'approche par exemple, euh, boum, effet six plant. Et là vous ne savez pas pourquoi. C'est parce que vous avez actionné votre joystick et que la remise en veille sur Windows 7 est catastrophique. Donc euh, pensez à euh, désactiver les, dans le contrôleur de buse. Donc vous cherchez votre générique, ce qui, le, le générique c'est celui qui va gérer euh, les 4 ports USB par ligne. Par exemple, si vous avez deux lignes, deux lignes de 3 ports sur votre carte mère, vous avez un générique pour la première ligne et un générique pour la deuxième. Euh, vous allez, dans l'alimentation dans euh, du port générique, vous avez l'ensemble des choses connectées sur votre sur l'ensemble qui gère. Pour l'exemple là, il n'y avait pas mon joystick. Euh, dans l'alimentation. Là, vous voyez, il y, y a mon joystick euh, qui est ici, l'extrême 3D. Vous allez sur la gestion de l'alimentation et vous décochez autoriser l'ordinateur à éteindre le périphérique. Et là, vous n'aurez plus de problème de crash euh, suite à la remise en place de votre joystick. Et, euh, et ça arrive souvent, et faut pas, et, euh, mais personne ne le sait. F6 plantes, vous êtes arrivé à l'approche là, vous, vous êtes content, vous avez fait 3 heures de vol, euh, et là, bim <laughs> euh, Plantage des fait6 et c'est à cause du joystick. Voilà, c'était la petite parenthèse technique, sinon, j'ai pas, pas grand chose d'autre euh, au niveau hardware. Euh, GPU Twig 2, voilà, de Strix Edition pour la 970. Euh, je la laisse en, gaming, en, en Game Mozone, euh, tout passe par le BIOS de la carte mère qui gère ça euh, à, à l'allumage du PC en fait. Donc, c'est comme j'ai une autre session euh, pour Battlefield et autres jeux, euh, bref, euh, le, ça remonte automatiquement sur les autres sessions. Voilà, c'est via, euh, via le BIOS. Euh, on va parler maintenant FSX et euh, hardware que j'ai, euh, software que j'utilise pardon, euh, pour Flash Simulator et ce qu'on va retrouver euh, souvent dans les tutoriaux. Euh, Donc j'ai 77 777 euh, immersion euh, qui rajoute tout un tas de euh, décompression et vapeur sur les ailes, moteurs, tout ça. Bref, le fond d'écran. Euh, que vous voyez actuellement, bah, c'est 777 immersion. Ça demande une config euh, pas importante, mais une bonne config. Le, à l'affichage, et euh, enfin, quand vous êtes en vue externe, dès que, la, dès que tous ces effets arrivent de fumée, enfin euh, de, de vapeur, euh, vous avez une petite chute FPS que j'ai remarqué moi qui me euh, voilà qui me pose pas problème pour l'enregistrement de vidéo parce que j'ai une bonne machine, mais pour quelqu'un qui a une machine en dessous, euh, voilà, ça peut, euh, ça peut engendrer des, des chutes FPS. Euh, FTX Central 2, hein, bon bah ça c'est euh, le gestionnaire des scènes euh, de RBX FTX. Euh, Navigraph, voilà pour mon pour la carte euh, pour la carte pour la mise à jour du Erac. Euh, sinon j'ai les cartes euh, aussi de Navigraph hein, qui n'est pas mis dans la barre, euh, qui j'ai oublié de mettre hein, que je vais mettre tout de suite. Hein. Euh, parce que lui, euh, bah, je l'utilise beaucoup, hein, forcément. Hop, on va le mettre là. Euh, le config euh, EZCA. Hein, euh, bref, hein, tout le monde connaît. Euh, Rex 4. J'ai changé mon moteur météo. J'ai choisi euh, Rex 4. Et euh, qu'on va retrouver souvent. Euh, car j'ai été assez impressionné quand même des, du moteur au niveau, euh, au niveau du vent. Qui est très réaliste. Euh, les six de vent assez secs hein, qu'on qu n'avait qu pas du tout, enfin, qui était difficile à voir dos, au niveau là. Et euh, là, le, le texture direct, en fait, le soft cloud apporte une, une homogénéité euh, dans le changement de quand on passe, par exemple, quand on rentre dans le brouillard, on ne voit pas une démarcation droite et linéaire comme ça dans le paysage euh, comme avant. Là, c'est vraiment très progressif en fait. On a vraiment l'impression de rentrer dans le nuage. Et c'est, euh, ça rentre. Enfin, euh, moi personnellement, là, mon écran euh, 4K, c'est. Euh, euh, voilà. Hein, je ne vais pas rentrer. <laughs> c'est magnifique. Euh, donc, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais changer euh, pour celui-là. J'ai toujours Rex Essentiel Plus Overdrive euh, pour la météo en live. Voilà. Qui se coupe à Rex 4. Et euh, j'ai aussi pris euh, Architecture euh, qui s'adapte aussi à Rex4, qui va exploiter euh, la, les textures nuages de Rex4 et pas de euh, pas de mon ancien, essentiel plus. Euh, euh, voilà. Pas rentrer trop dans les détails non plus. Je vais attendre qu'il s'allume. Voilà. Donc architecture, en fait, c'est vous qui allez concevoir. Euh, c'est vous qui allez concevoir votre propre météo. Vous pouvez faire une météo catastrophique. Euh, vous pouvez euh, faire des météos euh, personnalisées, par exemple pour les effets, euh, pour les effets euh, euh, de vapeur sur les ailes avec cette immersion qu'on a du mal à retrouver que les météos euh, d'origine. Euh, J'ai pas testé d'autres moteurs météo. Mais bon, ce, ce petit logiciel-là est pas mal. Vous pouvez faire des météos assez euh, personnalisées, euh, si vous voulez, un petit aillement de vent, une approche. Euh, voilà, vous pouvez vraiment faire quelque chose de pas mal. Euh, je ne vais pas me prendre la tête à faire un thème. J'en ai déjà, je pense, euh, quelques-uns de faits. Voilà, je m'en suis fait un pour Sydney parce que euh, j'ai pris la nouvelle scène de Flight on Sydney. Euh, J'en parlerai euh, plus tard dans les tutoriaux euh, de cette scène. Euh, comment je pourrais euh, vous l'ouvrir, est-ce que je peux la remodifier ça je ne sais pas en fait, je ne me suis jamais essayé bon voilà j'ai créé euh, une, une dépression euh, de neige euh, sur Sydney euh, qui, a, qui, qui était vraiment pas mal mais je pense que euh, je, je, je l'utiliserai ou je referai une avec vous pour le début d'un tuto on fera ça euh, voilà euh, toujours le track hier, couplé à EZCA euh, F6, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre euh, Les cartes, bien sûr, on va rentrer euh, aussi dans les cartes. Hein. Euh, on va rentrer... Euh Ouais on va faire pas mal d'approches. J'ai choisi euh, de, con de consacrer l'ensemble des tutoriaux sur une seule île en fait. Il euh, n'y a pas besoin de faire des millions de kilomètres ou faire des gros vols pour vous expliquer comment euh, fonctionne un, un, un avion, en particulier celui-là. Euh, on va apprendre euh, les gens. Enfin, je regarde beaucoup de vidéos hein, comme tout le monde sur YouTube et je vois que tout le monde veut faire euh, du nav. Euh, tout le monde, euh, voilà. Mais euh, les gens, ont, particulièrement les jeunes, ont oublié de naviguer au VOR et au NDB et tout ça. Donc, on va, on va euh, beaucoup faire ce genre de choses notamment les deux en même temps on peut très bien euh, programmer les deux et, et faire en même temps en du manuel et, euh, et tout en switchant euh, sur le, le tout en switchant euh, sur les MFD le, le mode map et, et le mode euh, manuel euh, pour voir si on suit bien la trajectoire ça peut être un cours euh, voilà heureux tout le monde j'ai fait une petite coupure euh, entre les deux euh, bah on va rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Euh, on va voir le, le cockpit, euh, mais ce coup-ci en image, et on y viendra en profondeur euh, dans le prochain tutoriel. Euh, je vais essayer d'en faire un par semaine, mais bon, euh, je vais essayer. <laughs> Alors, on va commencer par l'over panel. Euh, ma partie préférée. Hop. Euh, donc à, à gauche, complètement à gauche, hein, donc on peut le voir euh, qui est séparé en quatre colonnes bien distinctes, hein, qui a bien ses fonctions propres. Euh, on a tout ce, qui est euh, tout ce qui est électrique, pardon, euh, je lis bêtement ce qui est écrit sur panel mais tout ce qui est électrique sur la colonne de gauche. On y viendra plus en profondeur au niveau euh, quand on va aller euh, dans le cockpit. Euh, la colonne qui est juste à droite, donc c'est tout ce qui est emergency au niveau oxygène et euh, lumière, euh, windows euh, au niveau des portes euh, dans l'avion dans et euh, sécurité des portes. Euh, Ram air turbine qui est juste en dessous au niveau de l'hydraulique. Euh, c'est la petite euh, éolienne qui se déploie en cas de panne hydraulique. En cas de panne moteur, on perd l'hydraulique. Euh, donc cette petite éolienne se déploie euh, pour fournir assez d'énergie pour alimenter le, les commandes de vol euh, au niveau hydraulique. Voilà. Euh, le Past thing, tout ça on le retrouve du Boeing 737. Hein, C'est pas, pas nouveau si, on a su, si vous m'avez suivi depuis le début. Euh, voilà. Euh, de toute façon, rien n'est nouveau. Hein, mais. Euh, tout se reprend du Boeing 737 euh, c'est quasiment similaire dans son fonctionnement voilà euh, l'over panel on va pas y rentrer plus en détail hein. bon vous avez euh, le fuel euh, aussi l'allumage moteur euh, au dessus euh, le bleed air l'air conditionné la température de la cabine voilà le le, le, le placement des fonctions n'est pas le même euh, que le 737 mais les fonctions sont exactement les mêmes euh, hop, on va très faire fin, c'est pas la peine on le voit. Euh, voilà, le central, même chose, beaucoup plus de fonctions au niveau radio que le 737, mais euh, toutes ne sont pas fonctionnelles au niveau FSX, euh, c'est plus euh, gadget. Euh, après, vous avez, vous en avez on, qui rentre en fonction pour IVAO. Euh, on a. Euh, un FMC un fly manual control au niveau euh, au niveau radio euh, qui est pas mal pour tout ce qui est programmation euh, externe c'est-à-dire que au niveau euh, au niveau PMDG fuel euh, porte euh, si vous utilisez des addons euh, des add euh, externes euh, pour le cargo tout ça c'est pas mal le pushback tout ça c'est bien euh, la gestion des pannes aussi, euh, on va y venir, mais on va y aller. J'y a... suis pas allé avec le 737, mais euh, je vais me lancer avec le, le, 700, le 777. Pardon. Euh, après tout, euh, savoir piloter un avion, c'est aussi savoir maîtriser des pannes euh, et atterrir en toute sécurité avec certaines pannes qui peuvent engendrer des crashs. Voilà. Euh, sinon, un FMC de chaque côté, commandant copilote. Euh, gestion des flaps, euh, le le, comment ça, le le frein de parking pardon, euh, le pitch pour le pour le enfin le le pitch pour le roulis pardon, l'autre troller au centre et les flaps voilà euh, j'ai oublié, euh, oublié de parler du, MF, du MFFD au, au centre euh, qui, peut, qui affiche maintenant la checklist sur euh, cette nouvelle version de PMDG euh, qui existe dans la réalité bien sûr mais euh, qui donne pas mal de, de, de réalisme, encore, enfin, un peu réalisme encore plus, euh, plus avancé qu'avec le 737. Merci à PMDG d'y avoir pensé. Il manque cette petite tablette encore à gauche où on pourrait charger nos PDF, ça serait, euh, ça serait, ça serait top, quoi. Euh, ça serait vraiment un add-on que je prendrais tout de suite. Euh, avis, avis aux programmateurs, si vous arrivez à faire une petite tablette qu'on pourrait scotcher à gauche, là, dans le cockpit, en 3D, euh, où on peut charger nos PDF d'approche, là, euh, écoutez, je suis preneur, même, même à financer. Voilà. Euh, on va aller sur le central donc bah, on a les, MFF, les MFD pardon je vais pas réussir hein. euh, Manufacture display en anglais autopilote panel de MCP euh, l'overhead panel euh, donc qui se trouve au dessus euh, voilà qu'est ce que je pourrais vous donner de plus là tout de suite sur cette image voilà il hein, n'y a, a pas grand chose d'autre à donner pareil on y viendra plus en profondeur au niveau euh, au niveau de chaque écran euh, qu'est ce qu'on peut avoir sur chaque écran euh, le navigation display par exemple ou euh, le primary fly display qui est à gauche euh, là on voit la où on voit la l'altitude la, la vitesse et l'inclinaison euh, au niveau euh, des axes euh, voilà. On y viendra un peu, plus, un peu plus, dans le dans le cockpit euh, en général. Là, il casse. On voit beaucoup plus d'informations Comparé au 737. Hein, forcément, il y a une il y a une évolution au niveau, au niveau, euh, au niveau technique et l'avion lui-même demande pas les mêmes ressources. Donc, il faut avoir, avoir euh, euh, plus de choses euh, visuellement. Euh, voilà, euh, on peut ici afficher tous les paramètres de l'avion, fuel, euh, hydraulique, pression des pneus. Euh, euh, voilà, on, on, pareil, on en reviendra en détail. Là, comme ça, ça ne me vient pas, mais quand on sera dedans, on y sera. <laughs> voilà. Euh, bah écoutez, euh, je, voulais, je vais vous montrer si... Euh, parce que j'ai décidé de, de comme j'ai parlé juste avant de consacrer euh, de rester sur un aéroport et de, de voyager un peu on va, on, va, on, va aller sur, euh, on va aller sur Sydney on va aller sur euh, pas mal d'aéroports mais de consacrer l'ensemble des tutoriels euh, par exemple quand on va être au sol euh, apprendre, apprendre euh, à programmer notre 777 au sol, euh, on va rester sur un, un petit aéroport que j'ai euh, le coup de foudre en fait, une scène de FTX ou RBX euh, je vais vous montrer tout de suite la carte et puis la scène en même temps. Tiens, pourquoi pas? Après tout, hein, c'est aussi ça. Hein. Alors, tac, alors ne me demandez pas en message privé sur YouTube. Euh. Mes clés pour <laughs> je ne partage pas mes clés. Euh, J'achète tous mes add-ons. encore une fois, je le dis, j'arrête pas de le répéter. Euh, tout juste parce que quand il y a un problème, au moins j'ai un support technique. Voilà. Donc euh, et ça permet d'avancer. Euh, après, je comprends ceux qui ne le font pas. Euh, alors attendez, je cherche ma petite scène. Là. Voilà. Pago Pago, euh, une petite île du Pacifique euh, en, dessous, euh, en dessous de. Ah J'ai perdu le nom de l'île. <laughs> Ça va me revenir. Une célèbre équipe de foot de rugby habillée en noir, là, je ne sais plus. Euh, trop de mémoire. Ça va me revenir plus tard. Euh, écoutez, magnifique scène. Aucune chute FPS, pas de lag. Euh, on va parler plus tard du FSX.cfg. Euh, euh, que j'ai donné sur, ma, sur la page Facebook, j'ai donné le mien pour la configuration euh, VFR, car je, je switch entre deux types de FSX.cfg. Euh, Vous voyez tout de suite, euh, j'ai le raccourci qui est là. Euh, on voit que j'ai mon FSX qui est ici par défaut, hein, celui qui utilise flash Simulator quand il est lancé, euh, et là, en dessous, fsx.cfg cfg Je renomme euh, la terminaison, je retire par exemple si je veux passer en, en, en VFR, euh, bah, bêtement, je, je, je fais ça. Je sauvegarde celui-là parce que je sais que c'est l'IFR et je retire le CFG. Euh, le, je retire le. Pardon, je, me suis, je retire le, le VFR ici et je le laisse en FSX tout court et je passe en configuration euh, VFR. Euh, vous ne pouvez pas. Euh, beaucoup de gens utilisent le même un seul euh, FSX. Euh, FSX euh, FFG, euh, oh, je vais pas réussir. Un seul fichier, par exemple. Euh, pour en fait et non il faut pas faire ça euh, vous pouvez pas euh, avoir euh, un vol vfr il doit être agréable au niveau visuel euh, si vous pouvez pousser votre machine pour le vfr l'avion le, avance moins vite donc les textures ont plus de temps pour charger et beaucoup plus en détail donc vous pouvez euh, monter l'autogène si vous faites du IFR, euh, au décollage, votre avion, il est déjà à 100. On va prendre l'exemple du 777, il arrive vite fait à, 700, à 180 nœuds, 200 nœuds. Euh, euh, et là, vos textures chargent beaucoup moins bien et votre PC RAM les charger. Donc vous êtes obligé de descendre l'autogène pour, pour qu'il y ait moins de textures à charger. Chose qu'en IFR, vous pouvez augmenter. Donc voilà, j'ai deux, 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 je switch entre les deux. Euh, forcément, même moi avec ma grosse machine, la config VFR du FSX euh, n'est pas adaptée au IFR euh, tout simplement parce que bah, le, 730, le, le 777 au niveau calcul et au niveau processeur il bouffe pas mal donc vous pouvez pas avoir la même config visuelle graphiquement de, de votre Fly Simulator euh, avec du VFR et du, et du IFR. Voilà, euh, bah écoutez. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais arrêter là. Il est, il est un peu tard. Euh, puis je vais aller voir ma fille et ma femme. Euh, on se retrouve, je vous promets, très bientôt à l'intérieur du cockpit. Et, euh, et voilà, on, on va y aller euh, sur quelques mois là euh, à fond. Allez, ciao, bye bye, salut.